galop 400 mètres au Def Olympique. Et il est content. Et ça aide Kiningens aujourd'hui là. Et il va représenter tout au niveau international. Ça pour aider au moins pour faire une participation internationale et ça pour démontrer qu'il va en tout capable de faire au niveau international. Oui. En fait, Lydia, moi, il ressent une grande joie, il est content. Il s'y attend dans ce moment-là et il est bien content pour ça. Pour tout. Il a envie plus avancer, Lydia, moi, dans ce courrier. Et plus, disons-moi, pour ça aide qu'ils ont dit, ils ne recevront là. Ils disent ça qu'ils avancent un petit peu plus demain. Je dois quand même maintenant me préparer pour les prochains Jeux du Commonwealth, pour avoir un meilleur ranking mondial, pour réussir à faire plus de tournois. Du coup, cette aide, ça m'aide vraiment à aller de l'avant. Et je souhaite à remercier les gens qui m'ont aidé. Pour dire la vérité, c'est vrai que l'aide du Trust Fund, ça aide beaucoup. Enfin, ça aide un petit peu, mais c'est juste par exemple pour aller aux Jeux Olympiques pendant une année, juste pour moi toute seule, ce serait 20 000 euros à l'année. Plus si j'ai besoin d'avoir un coach, c'est encore fois deux, plus les physios, plus voilà, les coachs personnels, les décisions techniques, tactiques, du coup. Pour une joueuse de badminton, ça coûte vraiment cher d'être une joueuse de badminton, malheureusement. Mais oui, c'est vrai que là, c'est quand même une aide. Et je suis vraiment contente d'avoir cette aide et j'espère qu'on continuera à m'aider pour que je réussisse à continuer dans ma carrière de badminton. Qui se prépare pour une compétition quelconque, pas nécessairement qu'il soit toujours présent. On lui paye son transport, on nous paye ses coachs. Et bien sûr, il y en a des bourses d'études. Ceci nous amène aujourd'hui à cette fonction. Alors, nous avons, au niveau du Trust Fund, procédé à cette remise aujourd'hui avec différents montants pour les accompagner dans leur démarche. Parmi nous avons eu les autrement capables qui ont eu leur passage pour les compétitions qui vont se faire très prochainement. Alors, nous autres, au niveau du Trust Fund, nous sommes très contents de les accompagner, financièrement, bien sûr, pour les supporter. Et en retour, lui aussi, il nous apporte des performances. Alors, lorsque, vous savez très bien avec les nouvelles, nous savons très bien qu'à partir de la fin de l'année financière, qui se termine avec le 30 juin, tout le monde doit boucler leurs choses pour cette année-ci. C'est pourquoi il y a eu un genre de forcing, qu'on a reçu pas mal d'aides pour ces athlètes-là. Et c'est pourquoi on a entamé cette distribution aujourd'hui. En totalité, je peux vous dire, ça fait 530 000, plus d'un demi-million qui ont été distribués.